Bonjour à tous. Et vraiment mes remerciements pour l'invitation à ces colloques et encore un remerciement à mon collègue et ami Dominique Allios et pour toute l'organisation. C'est un dommage de ne pouvoir être avec vous, mais en tout cas, je vais présenter mon sujet avec ce PowerPoint. Excusez-moi pour mon français, mais j'essaie de parler français, c'est peut-être un peu plus facile pour vous. Il n'est pas parfait, mais j'essaierai de le faire au mieux. Le sujet de mon contribution, c'est la décoration architecturale de la cathédrale de Satrianum, qui est une cité fortifiée à l'intérieur de la Basilicate, sur la chaîne des montagnes des Apennins. Ce site, c'est un site très intéressant, mais je voudrais commencer par les mots de François Lenormand sur son œuvre À travers la pluie et la Lucanie, parce que François Lenormand a écrit des mots très intéressants pour la première observation de la Basilicate dans la période médiévale. Toutes les études du 19e siècle, surtout, se sont concentrées sur la Grande Grèce, sur les vestiges de l'Antiquité, mais aussi dans le 20e siècle. Mais Lenormand, c'est un des premiers observateurs des cathédrales, de monastères, de tours normands, de la Basilicate. C'est-à-dire que dans ces mots, on trouve une possibilité de tracer l'intérêt pour les vestiges de la période médiévale dans l'Italie méridionale en tout cas et dans la Basilicate en particulier. Et il dit les ruines des cités grecques de l'Antiquité. Oui, ils sont très intéressants, mais le Moyen-Âge en a couvert le sol de la Basilicate de l'Italie méridionale de magnifiques monuments. Pour nous autres Français, plus que pour aucun autre peuple de l'Europe, cette extrémité méridionale de l'Italie devrait éveiller une vive curiosité, car son histoire est intimement liée à la nôtre. Et à chaque pas, on retrouve vivant les souvenirs des Normands et des Angevins. Et alors, c'est sur cette adresse qu'on peut voir les recherches qu'on est en train de faire dans ce dernier an en Basilicate. Et en particulier, une des pistes, de mes pistes de recherche, c'est l'étude sur les châteaux, sur les parchemins fortifiés du Haut Moyen-Âge jusqu'au Moyen-Âge tardif, c'est-à-dire jusqu'au 14e siècle. Et dans ce sujet est encadrée aussi l'étude de ce site, le site du parchemin fortifié du château de Satrianum. Vous voyez dans la diapo le réseau, le grand réseau de châteaux qu'on a fixé sur la carte pour la Basilicate. On a fait aussi un grand projet sur la carte archéologique de la Basilicate qui se déroule de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et vous voyez la Basilicate que c'est une région très intéressante du point de vue géomorphologique avec une chaîne montueuse à l'intérieur et des plaines qui vont vers la mer et la côte ionienne, croisées de deux axes de fleuves qui ont été vraiment des routes de l'Antiquité au Moyen-Âge, très importantes pour l'échange de biens, de personnes, de cultures, et aussi des armées et des commerces. Dans ce réseau se trouve le site de Satrianum, que vous voyez ici dans la carte signalée, au sud de l'Italie, dans cette région interne du sud de l'Italie. Et de l'an 2006, on a commencé à étudier les phases, la période du
Moyen Âge, d'un territoire très vaste qui était intéressé par les recherches archéologiques de l'école de spécialisation en archéologie de l'Université de la Basilicate, entraînée par le professeur Massimo Zanna. Et moi, je me suis dédiée aux périodes qui vont du Haut Moyen Âge, c'est-à-dire dans ce territoire à peu près du 10e, 11e siècle, jusqu'à la fin du Perchemin qu'on a daté dans le première année de 6e ou mieux dans le final du 15e siècle. Il y a des ans que ce projet est partagé avec l'équipe de l'Université de Rennes 2, avec mon collègue Dominique Alios, que je remercie aussi dans cette occasion pour sa collaboration et le grand travail qu'on fait ensemble dans ce site. Alors vous voyez ici, j'encadre brièvement le territoire, c'est une petite colline, mais la hauteur c'est significatif parce qu'on est à 1000 mètres sur le niveau du mer. Et le plateau sommital de cette colline est occupé par le lieu de pouvoir, c'est-à-dire la tour et la cathédrale et l'épiscope. C'est un des cas vraiment significatifs de l'occupation normande dans l'Italie méridionale. Et elle est bien datée des documents, des sources écrites et des données archéologiques à la fin du XIe siècle. Et il y a le cas de fondation d'un lieu de pouvoir civil, c'est-à-dire la tour et la cathédrale avec l'épiscope. Un nouveau moyen de gestion du territoire qui arrive avec les Normands, avec le système féodal. Et ici, on voit vraiment la photo de ce nouveau système qui va changer complètement le premier système qui c'était ceux du pouvoir byzantin, mais non plus concentré vers le lieu de côte, vers la mer ionienne. C'est-à-dire que l'intérieur, avec l'occupation normande, change complètement la vision, le paysage au Moyen Âge. Et au pied de la tour de plateau sommital, il y a un premier village qui est ici. Vous voyez dans la première pente de la colline et un deuxième village. On a fouillé vraiment une petite partie, mais on a fouillé la cathédrale, l'épiscope et quelques endroits, quelques bâtiments du premier et du second village. Et on est réussi à dater la fondation, du point de vue archéologique, vraiment à la période normande. Et c'est un site qui a duré pendant toute la période souabe et angevine. Ici, une autre photo de la division topographique de toute le site, et qui peut contrôler le territoire de la tour normande, tout le territoire 360 degrés, parce qu'on a fait aussi de recherches sur la viewshed analysis et on a pu voir quels sont les territoires qui la tour contrôlait, c'est-à-dire aux fins militaires, du commerce, économique, du pouvoir, enfin. Encore une photo de la division topographique de le plateau sommital en violet, en vert le premier village, en rouge le second village. Et ici une carte qui a été faite par David Whitehouse qui pour premier a encadrer le territoire avec des premières recherches topographiques, exclusivement topographiques, entraînées par la British School at Rome en 1960 à peu près. Et nous, on a repris la fouille, on a pu
pouvoir décréter toute la topographie de la fouille. Vous voyez ici une vision du plateau sommital avec la tour en second plan et la cathédrale en premier plan. La tour, c'est une des tours qui on trouve beaucoup souvent dans la basilicate, une tour carrée très haut avec la citerne en bas. Et la tour a été restaurée, mais la fondation, c'est certainement de la période normande et la tour a continué à être utilisée pendant toute la période de vie du perchement fortifié. Et de l'autre côté de la tour, on a le complexe épiscopal, c'est-à-dire les bâtiments de l'épiscope et une grande cathédrale à trois nefs et trois absides. Et c'est de la cathédrale on a pu avoir des informations sur beaucoup de données, c'est-à-dire les sépultures. Il y a une nécropole, la cathédrale a été utilisée vraiment pour des siècles. Mais cela qui nous intéresse, c'est la première phase de la cathédrale qui est datée à l'époque normande des sources écrites. Il y a une planimétrie complète ici de la cathédrale et des bâtiments de l'épiscope, c'est-à-dire une grande salle rectangulaire au nord des absides de la cathédrale qu'on a interprétée comme la salle capitulaire ou le réfectoire. Ces salles sont en deux étages. On a trouvé les trous de peau sur les murs, c'est-à-dire aussi des traces des escaliers. Et peut-être celle-ci, plus grande, c'est la salle des évêches qui on peut aussi dater sur les sources écrites. Ici, il y a des autres salles pour les prêtres. Ici en bas, il y a une petite tour à cloche, peut-être aussi avec la fonction de tour de contrôle de tout l'ensemble, le complexe du bâtiment. Et ici, vous voyez une photo du haut avec le drone de ce complexe qu'on a fouillé complètement. Et on a trouvé aussi des comparaisons très efficaces avec des autres églises qui ont été bâties en basilicate dans la même période, c'est-à-dire, pour exemple, il y en a aussi des autres, et dans la publication, je ferai, si on aura la publication, comme j'espère, je ferai toutes les comparaisons nécessaires, mais ici, ce sont des exemples. L'église du monastère bénédictine latin du Santa Maria di Banzi, et l'église de San Michele à Potenza. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. On a fouillé une autre église, c'est l'église de Santa Maria di Iuso dans la ville d'Ersina. Et le schéma, c'est de la planimétrie, c'est toujours le même. Trois nefs, plan allongé, piliers, pas de colonnes, piliers qui séparent les navets, et les ailes et trois absides. Et alors, on a fouillé l'église de la cathédrale et on a trouvé des choses très intéressantes, c'est-à-dire une première phase de la cathédrale qui on a datée au 11e, 12e siècle, qui a en entrée dans la partie du cloître. Pas le cloître, mais enfin l'espace ouvert à l'intérieur de l'épiscope. Aussi, le modèle topographique de l'épiscope, c'est très près du modèle français, hein, je dois le dire. Et je le décrirai mieux dans la contribution écrite. Il y a une autre entrée de cette partie qui mettait en communication l'église, la cathédrale avec l'entrée du plateau sommital qui a été complètement effacée dans des restaurations successives. Et pourquoi la première phase? Parce que pour la première phase, on a trouvé des traces. Je vous montre un morceau de l'arc qui devait surmonter l'entrée.
et qui a été remployée dans l'entrée refaite, restaurée dans la période angevine, mais que peut-être appartient à la phase précédente, la phase normande, parce que je dis ça parce que la chose la plus intéressante, c'est qu'on a trouvé sous les dalles, des grandes dalles en pierre, vous voyez un morceau ici, qui couvre le pavement de l'église dans l'époque angevine, on a trouvé des carreaux en terre cuite imprimés et décorés avec des animaux, tous les sujets du bestiaire du Moyen-Âge, et avec aussi la trace, vous voyez ici dans le mortier de ces carreaux, qui constituaient tous les pavements de l'église de l'âge normand. Ce morceau ce carreau de terre cuite, on les a trouvés entières et je vous montre ici un petit échantillon des sujets qu'on trouve avec une description ici. Vous voyez des animaux à côté d'un sujet végétal, on trouve ça, mais on trouve aussi des griffons avec les ailes ouverte, très intéressant. On est en train de les étudier parce que c'est vraiment une tâche de l'artisanat artistique qui on trouve aussi dans des autres cas dans la Basilicate. On a ce type un peu différent, mais dans le même typologie de carreaux en terre cuite. On les trouve dans des autres lieux de la Basilicate, dans les fouilles, par exemple, de Santa Maria di Uso à Ercina. Je montrais la même typologie de l'église. Je l'ai trouvé à Torre di Mare, c'est-à-dire vers la côte ionienne, c'est la métopompe du Moyen-Âge, Torre di Mare. Je l'ai trouvé ici, je l'ai trouvé à Santa Maria d'Anglona, que c'est un autre grand bâtiment d'une église fondée par les Normands, c'est-à-dire que peut-être il y avait une chaîne des artisans qui ou se promenaient d'alentour de la région ou en montant des ateliers spécifiques selon la demande, où ils travaillaient dans un endroit et là, les différents comitants, les différents patronages fait la demande pour cette production. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire des analyses archéométriques sur l'argile pour voir la provenance au mieux de l'argile et pour étudier encore mieux l'iconographie de ces carreaux et pour voir les artisans d'où venaient-ils s'ils travaillaient dans les lieux d'utilisation de ce carreau ou s'ils faisaient du commerce de ces dalles. Et encore un oiseau que vous voyez ici ou les poissons, mais on a la sirène, des motifs végétaux et tout ça. Alors c'est le premier exemple d'artisanat qu'on peut montrer pour ces colloques. Encore, on a trouvé des choses très intéressantes, mais je vais les montrer pour avoir aussi vos observations, si vous pouvez, et des suggestions, parce qu'un des problèmes que mes collègues qui s'occupent surtout de la sculpture architecturale du Moyen Âge de la Basilicate, c'est vraiment la question essentielle des influences italiennes sur la sculpture normande ou vice-versa de la sculpture normande sur l'Italie, qui c'est un peu peut-être plus intéressant, plus puissant comme sujet. Et dans la partie
terminale de la cathédrale, dans cette partie-là, on a trouvé un grand niveau des éboulis, vraiment très, très puissantes. Et on a pu voir que la cathédrale, comme tous les autres bâtiments de l'épiscope, ont été détruits par un grand tremblement de terre à la fin du IIIe siècle, c'est-à-dire 1273. On a la date parce qu'il est fixé sur la documentation écrite. Alors, ils sont arrivés les Angevins, ils ont puisé le pouvoir de Frédéric de Souabe. Ils ont occupé toute l'Italie méridionale, du royaume de Naples, ils se sont déplacés aussi dans la Basilicate. Et le site de Satriano a été intéressé beaucoup de la réorganisation et restauration angevine. Et on a trouvé ici les traces, c'est-à-dire que les Angevins ont déplacé tous les éboulis du croulement de l'église normande et souabe sur cette place de l'église, et ils ont mis des dalles au-dessous. Ce sont les dalles que je vous ai montrées dans la première diapo. Dans ce grand niveau des éboulis, on l'a fouillé et on a trouvé toutes les pierres, certainement. Et il était complètement sigillé par les dalles. Il y a une dalle ici, au fond. Alors, dans tout ce niveau, on a trouvé les pierres, c'est-à-dire des murs, mais on a trouvé surtout des morceaux de carreaux en terre cuite, c'est-à-dire qu'on a enlevé le pavement en carreau en terre cuite, on l'a jeté dans les éboulis. Vous voyez ici la dalle de la période angevine qui couvre tout ce niveau. Et encore, on a trouvé de petits morceaux de colonnes, de petits chapiteaux avec les carreaux en terre cuite, comme vous voyez dans les diapos. Et on a trouvé aussi vous voyez aussi des autres images des petites colonnes. Une carreau en pierre décorée, mais je vais les montrer vraiment pas de comparaison parce que j'espère que vous pouvez me donner des informations, mais aussi je vais les faire les comparaisons avec une étude que j'espère un peu plus complète de comparaison. Si c'est un carreau en pierre avec ce grand bordure lisse et peut-être un personnage au milieu, peut-être un ange, on peut voir un ange ou je ne sais pas, mais c'est la juste orientation hein, de la dalle, cette-ci. Peut-être il était une décoration de l'autel, d'un petit mur, d'une niche, on ne sait pas. Et encore, on a trouvé ce merveilleux trois grandes dalles décorées. Alors, cette décoration, je l'ai trouvée, je vous montre les photos, c'est en cours de fouille. Ce sont des grandes dalles en pierre et voilà la dalle nettoyée. J'ai trouvé cette décoration à Basilicata seulement à Venosa, dans la grande fondation des Normands qui est devenue aussi la nécropole officielle de la dynastie normande, et en particulier sur la tombe de Alberada, qui est datée au IIe siècle. C'est la même corniche que vous voyez, avec l'utilisation encore de ces motifs très classiques, qui est lié à ce motif, à cette corde un peu plus moderne, mais c'est-à-dire du Moyen Âge en tout cas. Encore, on a une autre image, et celle-ci, c'est très important parce que largeur de cette dalle correspond à la largeur du mur de la cathédrale. Et on a trouvé aussi des trous
que vous pouvez voir sur la partie de la dalle, de trous et de traces qui certainement étaient fonctionnels au lien avec des autres dalles, avec des grappes en métal. Encore ici, il y a une autre particulière de cette trace. Et on a trouvé aussi des traces de mortier sur une face de la dalle, c'est-à-dire que on a mesuré aussi cet espace entre la trace du mortier et la dalle, et alors l'espace, la largeur, c'est la même des murs. Et une hypothèse, c'est que cette dalle était sur les murs de la cathédrale ou sur un hôtel dans l'abside principale. Encore un autre morceau très de la même typologie, avec la même décoration et la même chose a été trouvée toujours à Venosa. La même décoration, comme j'avais dit, et soit sur la tombe d'Alberada, soit sur des morceaux de décoration qui ont été remployés à l'époque angevine, mais que les collègues ont interprété comme des morceaux de sculpture architecturale qui étaient originairement sur les tombes des Altavilles, des Normands, dans la basilique de Venosa. Et encore, enfin, la dernière dalle décorée qui c'est encore plus intéressant parce qu'elle a un visage et des motifs végétaux sur la décoration. Ici, c'est pendant la fouille, vous voyez comme elle a été trouvée dans le niveau des éboulis. Encore un particulier un peu plus voisin, et enfin la décoration qu'on peut voir qui est vraiment semblable avec surtout l'observation du visage aux sculptures architecturales qu'on trouve aussi en Basilicate et partout par l'Italie méridionale qui ont des liens très forts à mon avis avec la sculpture normande. Alors l'hypothèse c'est que les Normands quand ils arrivent dans l'Italie méridionale, quand ils arrivent en Basilicate, peut-être ils apportent avec eux des artisans, des sculpteurs, des architectes qui travaillent avec les ouvriers, les personnes locaux certainement, qui aussi prend des influences de la culture précédente, qui était celle byzantine, mais qui porte une langue de l'Europe, une langue normande aussi dans la Basilicate, avec les planimétries des églises, avec l'implantation à Satrianum, en particulier du complexe de la cathédrale de l'Épiscope, et qui peut-être portait aussi des artisans qui travaillaient ici avec les locaux. Ici, vous voyez le visage, et aussi j'observe une autre image. J'observe le même motif décoratif qu'il y avait dans les autres dalles, et encore l'inclination de cette partie de la décoration. Alors pour cette dalle, on a pensé que peut-être elle pouvait être colloquée dans le haut du mur, parce qu'on a trouvé aussi les traces du mortier sur la face supérieure, et cette partie ça on peut la voir en bas. L'hypothèse, je mets aussi une photo parce que c'est vraiment difficile pour prendre des photos de cette dalle. Mais l'hypothèse, c'est que je mets
une image du château du Mérole. Sûrement, ils sont les chapelles du château du Mérole. Et je remercie mon ami Dominique Calios. On était allé là avec un programme, un projet de l'université franco-italienne il y a quelques ans. Et alors, la photo, c'est de cette période-là. Mais seulement l'exemple. Ce sont les chapelles vraiment plus tardives. Elles ne sont pas normandes. Ils sont plus tard. Aussi, sur le château, je me rappelle, il a une fondation de 11e, 12e siècle. Mais pour vous faire voir la colocation de cette partie en haut sous le toit, de cette partie, cette corniche, qui est soutenue par de petites soutiens en pierre. Et on a trouvé aussi ce soutien dans le fouillis des éboulis. Et on pense peut-être qu'ils sont des dalles avec cette décoration qui on pouvait voir en se coloquant en bas. Mais il protégeait, il était colloqué immédiatement sur les toits. Alors, ce sont des hypothèses, ce sont des morceaux de décoration architecturale du pavement, à mon avis très intéressants, qui apportent, excusez-moi, l'intérêt sur la présence des artisans, sur la présence de connexion entre les artisans locaux. Peut-être on a des artisans qui travaillent dans la Basilicate et qui ont été identifiés pour la période normande. Ad exemple, Sarolo di Muro, c'est un de ces artisans, artistes, mais sûrement avec l'influence et l'influence des artisans de la culture normande, on pense. Et c'est pourquoi que j'aimerais bien continuer ce sujet. On avait avec Dominique Alios un vieux projet qui, je me rappelle, il s'appelait Orma, Orient et Méditerranée. Et alors, j'espère de pouvoir travailler encore sur ce sujet. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.